Dans cette vidéo, je vais jouer à 100 jeux Roblox jusqu'à l'épuisement complet. On commence avec le premier jeu. C'est mon préféré, les gars, c'est Five Nights at Freddy. Ok, les gars, donc ça, c'est mon premier jeu préféré de Roblox. Il est incroyable. Par contre, c'est un jeu d'horreur. Hein. Je préviens, ça fait un petit peu peur. Mais en tous les cas, les gars, dès que je meurs, je change de jeu. Donc en vrai, on s'en fout. Regardez Freddy, il a l'air trop gentil. Bonnie aussi. Bon, il lui manque la moitié de l'estomac. Mais c'est parce que il a grêlé dans son intestin. Du coup, c'est un intestin grêlé. Pour ceux qui savent pas, ça ressemble à ça. Voilà. Me demandez pas pourquoi j'ai une figurine dans cette stingrelle. Wazai! Attends, mais il arrive déjà? Non, non, non! Ayam caché! Je crois qu'il est en train de partir. Il a l'air d'être vraiment juste à côté de nous, hein. Oh. Ah, ah, ah! Non, non! Pas maintenant! Mais ça fait même pas une seconde que je joue! C'est du harcèlement. Je jure, c'est du harcèlement. Faut que je me planque. Là-dedans, là-dedans, vite! Bon, j'ai perdu, on change de jeu. Les gars, c'était mon jeu préféré. J'ai jamais dit que j'étais bon. On va se détendre, on va jouer un truc plus détente. Pogo Simulator. Ça m'a donné chaud. Ah, voilà, ça, c'est un jeu familial. C'est parfait. Après le jeu horrible qu'on a fait avant. Donc là, les gars, si vous connaissez pas le but, c'est juste de rentrer dans les cerceaux, gagner de l'argent et après, on peut améliorer notre pogo stick. Je jure que ce jeu me donne premier degré envie d'aller faire du pogo stick. Alors que j'ai aucun équilibre et que j'ai une tête de huître. Mais ça peut être cool. En vrai, let's go. Et Gazo, il parle dans ses sons. Mais regardez mon équipe. Mon équipe, c'est deux chauves-souris qui se sont pris des murs et un canard en plastique. Banks. Ok. Les gars, let's go. C'est le N, c'est le Nino. Et attendez, regardez, on peut même aller dans une zone secrète si on va juste là, qui donne encore plus, mais qui est beaucoup plus dur. Parce que là, franchement, bon, après, il faut le vouloir pour les rater, mais quand même. Voilà, ça, c'est un jeu Roblox que je comprends, tu vois. Ça, c'est simple. Très simple à suivre, cool à regarder, mais on s'ennuie, donc on passe au suivant. Donc là, les gars, si vous connaissez pas, c'est Shadow Simulator. Et moi, je suis extrêmement fort à ce jeu. C'est le jeu que j'ai plus joué sur ma chaîne Roblox. Parce que, bon, pour ceux qui savent pas, j'ai une chaîne de vidéos Roblox. En gros, regardez le niveau de puissance. Là, en gros, je rattrape quelques petits bonus. Voilà, comme si par ça. Comme si par ça, j'invente des mots. Et là, let's go! It's me, Mario de la Casa! Bra, 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 Casa Blanca, la puta de Madeleine! Et brau! Mais ok, et là, le but, les gars, c'est juste de gagner des points. On gagne des goujons. On dirait une monnaie dans Zelda, ça, les goujons. Et regardez, je peux me faire un 360 backflip? Là, pour l'instant, on est trop tranquille en vrai. Hein. Je peux même en refaire un petit deuxième. Allez, un troisième. Et si vous regardez la carte tout en bas, en fait, vous voyez mon score. Vous voyez que je foudroie tout le monde. Je vais même peut-être avoir le temps de refaire un tour. Oh là là, petit saut parfait. Et je vous dis, j'ai saigné. Regardez là, on refait un tour. Hein. C'est super rare ce que je fais, je suis trop content. Bon, peut-être qu'on n'arrivera pas à en faire un deuxième quand même. Faut pas complètement abuser. Mais là, êtes-vous, c'est juste moi dans un chariot. Hein. Oh là là, petit saut parfait. Que demande le peuple? Non, je pense qu'on va pas réussir à en faire un troisième hein, quand même. Faut doser. Oh, le bruit de canard en plastique. De toute façon, plus on est haut, plus la chute fait mal. C'est comme dans la vie en général, les amis. Hein. Plus vous réussissez, plus quand vous échouez, ça fait mal. En vrai, je crois trop, les saltos, ça me donne des points en plus alors que pas du tout. Oh, j'ai réussi à faire un deuxième tour. C'est ma première fois que j'arrive. Bon, là, j'ai fait de la merde. Aïe, 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 aïe. C'est le carambolage et c'est la fin. Oula, par contre, celui-là, il est en train de bugger. Attends, en bas. Ils sont trop forts. En vrai, j'ai 1 million de points. Si vous voulez, on peut ouvrir un œuf volcanique. Ça peut peut-être nous donner un truc de fou. Hein. En gros, ça nous donne des pets qui permettent. Oh, commun. C'est nul. On change de jeu. Oh, Squid Game. Ça, je connais pas, les gars. J'ai jamais joué. Oh, ça a l'air bien. Ok, bon, là, c'est assez simple. De toute façon, on a juste à aller là où les autres y vont. Est-ce qu'on peut. Pour de vrai. Attends, mais est-ce qu'on peut pas juste aller sur les barres jaunes là? Ok, non. Parce que je me suis dit, en vrai, si on va sur les barres, c'est beaucoup plus simple. Ok, donc faut vraiment aller sur les vitres. Hop. Là, le gagnant, il gagne 15 000 $. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Ça fait beaucoup de Doritos, tout ça. C'est quoi la première chose, vous, que vous faites si vous avez 15 000 $? Moi, franchement, bah, je joue pas à ce jeu déjà. Je rachète Roblox avec 15 000 $. Ah, mais c'est stylé, par contre, j'avais pas vu, mais les vitres, elles reviennent après. Comme ça, c'est sûr que même si t'attends trop longtemps, tu peux quand même être perdu. Mais pourquoi? En vrai, j'ai envie de réussir, les gars. Moi, je l'ai vu, les 15K. Hein. Moi, si j'ai 15 000 $, en vrai, vous savez ce que je fais? J'achète un nouveau téléphone à ma mère. Parce que ma mère, elle a cassé son téléphone. Et elle a pas envie de s'en racheter un. Donc, je lui en rachète un. Ensuite, je donne 10 000 € à tout le monde. Parce que je suis quelqu'un de généreux. Ah, là, il hésite à y aller. Oh! On va tous y aller un par un. Ok. Non! Mais comment elle a fait? Elle est sur celui-là. Eh, hey, ce jeu, c'est un jeu de traître. On change de jeu. D'ailleurs, parmi tous les modes Roblox, il y en a un qui est incroyable. C'est la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. On continue. Oh, Gazo. Gazo, c'est moi, Gazo. Moi, je veux Gazo. Let's go! C'est moi, le Gazo Côte d'Azur. Alors là, les gars, si vous connaissez pas, en gros, très simple, c'est le jeu de l'épée, voilà, et pas de Nice parce qu'il y a l'épée Nice. En gros, on peut soit dévier, soit dasher. C'est vraiment un jeu pour les fans de Demon Slayer. On sait quand qu'on joue. La partie commence dans 3, 2, 1. Ok, donc là, en fait, c'est très simple. Quand la balle, elle vient vers nous, les gars, faut juste riposter. Oui, je sais quoi, ça. Oh, non, non, lâche-moi, putain. Je suis trop chaud. Bon, là, j'ai fait de la merde. Par contre, là, je suis chaud. Hein. En vrai, vous avez vu les passes de malade que j'ai fait? Vous savez que d'habitude, moi, je suis vraiment éclaté sur les jeux, il faut des réflexes. Je t'ai fumé. Mais par contre, pourquoi je veux tuer ceux de mon équipe? En fait, je comprends pas, le but, c'est tuer tout le monde. On change de jeu, moi je suis pas un mec comme ça. Là ils ont mis Mister Beast. Ça, ils voulaient vraiment que leur jeu il marche, tu vois, ils voulaient des clics.
Alors les gars, là mon épée, si elle vous paraît abusée, c'est parce que j'ai beaucoup joué à ce jeu. Donc là les gars, en gros, si vous connaissez pas, je vous résume. Les trois familiers qui sont juste là, les trois animaux, nous donnent des bonus de points. À chaque fois qu'on clique, on gagne du score. Là j'ai 300 000 de score, ce qui est énorme. Et là il y a des épées. On va prendre un exemple que je veux soulever cette épée là. Et bah du coup, je vais juste devoir cliquer à mort. Mais vu que j'ai beaucoup plus de puissance, tu vois, elle a 40 000, moi j'ai 300 000. Et bah je l'ai en 2 secondes. Et après il y a Excalibur. Je sais pas si je peux réussir à faire Excalibur. Parce que Excalibur, il faut 460 000 points. Ah, oh, ça peut se faire en vrai. Hein. Ok, ok. Là les gars, je suis focus. Si, faut juste pas que je lâche. Ça fait trop mal aux doigts. Ah, je sais pas si vous entendez comment je martèle la souris, frère. Aucune souris n'a été maltraitée durant ce tournage. Allez frère, s'il te plaît. En vrai ça passe. Vous savez que là j'ai pas eu tout le niveau hein. Elle a 100 mines de plus que moi. On lâche pas. Ce serait une première mondiale si on y arrive. S'il te plaît, on lâche pas, je pensais pas que c'était possible. Non, on est si proche. S'il te plaît. Pourquoi ça veut pas? Putain, pourquoi ça veut pas? On est si proche, s'il te plaît. En fait j'ai oublié, il faut pas appuyer fort, faut appuyer beaucoup. Ça passe. Let's go les gars, let's go, je suis trop chaud. Donc là du coup j'ai gagné une nouvelle épée qui est encore plus incroyable. Mec, elle me fait gagner 10 000 par 10 000 à chaque coup. Et là vous allez dire, Rayton, mais du coup tu viens de finir le jeu. Alors techniquement oui, c'est bien le boss final. Mais il y a aussi un world boss qui est encore plus dur, qui est le Dark Prince, qui est juste là. Et c'est vraiment la même chose, mais là on va se faire saccager parce qu'il a 850 000 points. Alors là on voit où tous ces moments nous ont menés à se faire défoncer par le Dark Sasuke du coin qui est sous son arbre toute la journée. Je vous mens pas, I am very triste. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même ce mode de jeu qui est incroyable, qui est un de mes préférés. Et je viens de débloquer une nouvelle épée, donc on a passé un moment de Nutella. On passe au jeu suivant. On dirait que je travaille pour Roblox à tester leur jeu. Wow les gars, là on va jouer à un jeu, ça fait longtemps que je me suis pas connecté. Ça c'est un des premiers jeux que j'ai joué sur Roblox. En gros, chaque seconde on saute de plus en plus haut. Vu que moi bah j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup de bonus de puissance de saut. Pour être plus précis, là du coup j'ai 20 000 de puissance. Donc là vous allez dire, Rayton, mais t'es en train de manger le game en fait. Mais c'est que la tour numéro 1. Je vais vous montrer où j'en étais moi. Donc ça c'est la tour numéro 1, voilà. Et j'ai même un overboard qui, tu sais pas pourquoi, il ralentit au bout de 5 secondes. Regardez, rapide, lent, et il fait un bruit de machine à laver. Donc j'ai évité de l'utiliser. Donc ça c'est tout ce que j'ai débloqué, c'est toutes les tours que j'ai réussi à finir. Et du coup il me reste que la tour finale qui est là-bas. Et vous savez quoi, juste entre nous, et bah on va faire celle-ci qui est la tour de glace, qui du coup est l'avant-dernière tour du monde et qui est déjà bien trop difficile. Wouhou! Donc là vraiment le but c'est juste de sauter hein. C'est vraiment un jeu où tu poses ton cerveau, tu sautes. Je me sens comme Spider-Man dans New York. Faut vraiment pas avoir le vertige par contre. Et je trouve qu'on y est, on est super rapide à monter la tour là quand même. Là je suis à la tour de la plage. J'aimerais trop être à la plage. Ça me manque, j'aime pas l'hiver. Je sais qu'Ina ils vont dire ouais c'est mi-hiver et tout, mais les gars, l'hiver il fait froid, il fait moche, il pleut tout le temps, fait nuit à 18h. Rien ne me plaît dans l'hiver, à part tes yeux. C'est le mec qui essaie de draguer en plein milieu. Oui les gars, je suis célibataire depuis quelques temps, aidez-moi. Je vais lancer mon émission de date sur Twitch. Rayton doit trouver une Raytonette. Ok, let's go. Hop, on vient du ghetto. Pour aller plus haut avec Magic System, y a pas de problème. Et là je descends pour remonter plus haut à chaque fois. Je sais pas combien de trophées je vais gagner. Si tu montes la tour 1, t'as un trophée. Je sais pas combien j'en gagne là si je monte celle-là. Ah 15, c'est marqué 15. Ok, allez on y est presque. Proche, je commence à fatiguer. Let's go. Oh, l'autre tour elle est même pas si haute que ça en comparé à celle-là. Franchement je la dead. 15 points. Et vous savez ce qui se passe quand on a des points, on peut aller ouvrir des œufs et peut-être avoir des meilleurs familiers. Là je vais montrer mon équipe. Ah le jeu est cassé. Je ne peux pas montrer mon équipe du coup. C'est pas grave. J'aime ma vie, je mange des biscuits. Ah je savais pas que tu pouvais sauter sur l'overboard, j'ai l'air si bête. Ouais, c'est la fête au village. J'ai la même réaction quand ma crush me date. Et là, il y a les œufs, 3 victoires ou 200 $. Mais faut vraiment être un psychopathe. Thomas, ses muscles à lui. Lui, je suis sûr, il a rien dans la tête que dans les muscles. Et je suis pas ce genre de mec qui dit ça d'habitude, mais là, gros, c'est littéral. On dirait un pony Michelin. Allez, on va prendre un truc à 3 victoires parce qu'on est riche. Un phoque, vous m'avez donné un phoque. Et bah, phoque, tu changes de jeu. Oh non, là, je vous montre un jeu. Je m'étais juré de pas y rejouer, je le déteste. Les gars, ça s'appelle l'escalier de la chance et c'est le pire jeu parce qu'il y a trop de tricheur ici. En gros, les couleurs, des fois, voilà, elles partent, tu vois. Il faut être sur la bonne couleur. Par exemple, là, c'est le bleu. Donc, si vous êtes sur une case bleue, dans 4 secondes, bah, vous mourrez pas. Regardez. Ok. Et le problème, c'est qu'il y en a, ils trichent, ils attendent tout en haut, en fait, avec un laser et ils poussent tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a littéralement aucun moyen de gagner. Je déteste ces gens. Moi, ça m'a fait rage quitte le jeu. Là, pour l'instant, dites-vous, je suis jamais monté aussi haut du jeu. Ok, là, je pense qu'on peut aller sur celui-là. Tu vois, mieux vaut jouer prudent. Oh, bonjour, madame. Tu vas bien? T'as quel âge? Parce que si t'es mineur, ça va pas le faire. Attends, orange. Mais ça, c'est du jaune, frère. Alors là, je vais rien dire. Est-ce que c'est moi qui suis daltonien ou pas? Parce que pour moi ça c'est clairement du jaune. Ok, orange. En vrai ça peut le faire. Ouais, c'est encore haut par contre. Ok, vert. En fait je pense que le mieux c'est de faire deux montées à chaque fois. Bon là je suis fou. Là je suis très très fou. Let's go. Au revoir. Pour l'instant je m'en sors bien. Donc en fait tu peux monter deux étages à chaque fois. Wow, j'ai chaud. Deux fois le vert là, je pense que ça tombera sur du... Voilà, orange. Faut continuer de monter les gars. Si tu veux démonter, faut savoir monter. Par contre là j'entends des tranchements et tout. Gros, il y a un alien en haut là. Ça fait peur. Ok, moi je vais m'arrêter là. Je suis pas greedy les gars. Moi je suis pas un gourmand. Moi une petite tarte tatin, ça j'aime bien. Waouh, ça va bébé, tu joues avec ta vie. Eh, reviens ici, petit biscuit. Eh, mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe?
What? Attends, putain, je suis con. J'ai cru que c'était violet. Attends, mon personnage, il a vraiment entendu comme ça. Même lui, il est traumatisé, gros. Il arrive même pas à se briser par terre, juste s'il est cassé. Donc, salut. Mais ce mode-là, il m'a beaucoup fait rager. Hein. Bon, vous vous doutez, Rayton, il va à la salle tous les jours. Le bras de fer, c'est ma passion. Donc, il y a un mode pour le bras de fer. Ça existe. Donc là, regardez, là, c'est mes pets derrière. Ils sont abusés parce que j'ai beaucoup joué au jeu, donc j'ai les meilleurs pets. Mais est-ce que ça veut dire que je suis fort? Non. Tu vois, le patron final, là, avec son chapeau malicieux, ça se voit, c'est ce genre de mec qui met de la sauce Biggie Burger dans ses frites. Je déteste. Jim Rat. Est-ce que lui, je le bats? En vrai, je pense que ouais. Oh, là, je t'ai explosé, frérot. Attends, désolé, mon petit pote, mais moi, je suis trop fort pour toi. Boss de la mafia. Ouah, sa main, on dirait la main de mon père. Mec, il a que 4 doigts. Il a pas de pouce. Ouah! Bon, là, logiquement, je meurs, non? Quoi? D'où je suis devenu costaud, moi? D'où je bats le boss final de la mafia? Je dois faire quoi maintenant, moi? Ah, je peux aller taper dans le punching ball. Vous avez vraiment un film d'action où moi je suis le héros et je dois m'entraîner dur pour battre mon rival à la fin du film. Et là, il y a mes amis. C'est vraiment trop bien. Mais du coup, j'ai fini le jeu. Faut 15 000 victoires pour quitter l'école. Bah, je quitte l'école fort, mec. Ok, là, je vais dans la salle de gym de l'espace. Waouh, c'est là où il va, Thibaut InShape, en fait. C'est quoi ce truc, mec? Il y a des trucs. Attends, il y a des bails pour faire des rituels. Je crois que c'est pire que se doper, ça, non? Vas-y, on va essayer de faire un combat. T'es mal à la gueule du cyborg. Ouais, voilà, je me fais défoncer, mais c'est pas normal, gros. Mais t'es mal hors tête. Jamais je me bats contre ça, frère. C'est des fous furieux. En vrai, j'ai 34 000 trophées, on peut ouvrir un œuf. Allez, on veut un. Oh, la petite licorne. C'est comme dans Moi Moche et Méchant. Une licorne. Ok, let's go. La petite licorne, elle donne combien de pourcentage? x12 et c'est un bébé. Alors que j'ai mes oversizers là, qui me font du 128. Donc ça pue la merde. Donc je me barre. Salut. Je suis très triste là. Hein. Alors là, les gars, c'est un autre jeu où le but c'est de trouver la bonne porte sinon tu meurs. Donc là, je meurs pas. Là, je meurs. Et vous avez remarqué que quand vous mourrez, vous devenez chauve. Hein. Je sais pas c'est quoi le rapport. Alors chauve qui peut, on s'en va. Ok, pour l'instant je gère. On a juste à suivre celui qui est devant nous. Lui, ça se voit, il sait où il va. C'est un mec qui sait. Ou non, il sait pas où il va. Il sait pas où il va dans sa vie. Non, moi aussi. Puis ouais, on va tous terminer chauve à la fin là. Ah, des fois, attends qu'il y en ait plein qui meurent. Comme ça, tu les suis. En plus, tu peux tricher en dézoomant un petit peu. Parce que là, du coup, tu peux voir à peu près où sont les bonnes portes. Mais attends, mais c'est une blague. C'est même plus de la triche, go. C'est une escroquerie tout ce que je fais là. Ma carrière Roblox, c'est une escroquerie. Ah, ok, c'est toujours là. Franchement, on a trop de confiance. Hein. Là, je suis aveuglément la personne. Ah, ok, là, c'est là. Toi, viens. Mais qu'est-ce qu'on va gagner comme ça? Mais c'est terrible. On a juste à attendre qu'elle meure. Pourquoi elle a pris l'autre porte, elle? Ok, il se passe quoi là? Franchement, on s'en sort plutôt bien. Je suis vraiment une valeur sûre dans l'équipe. Sans moi, je pense pas qu'on sera allé aussi loin. Ça passe comme les tapas. Le moment Nutella de ma carrière. Il y a encore beaucoup de portes, par contre, ça commence à devenir très long là. C'est vraiment long. Hein. On a vraiment gagné. Vous savez que j'ai jamais gagné de ma vie à ce jeu. Et là, on a gagné en trichant. Je me barre. Alors là, les gars, on est sur un autre mode de jeu. Alors, je pensais pas qu'il allait me plaire celui-ci. Mais au final, tout peut devenir fun dans Roblox. C'est mec, vraiment, je suis payé pour dire ça. Les gars, là, c'est un mode de jeu où, attention, hein, préparez-vous mentalement. Il faut lancer des avions en papier. Il n'y a absolument zéro blague dans ce que je suis en train de faire. C'est littéralement juste un concours d'avion en papier. C'est tout. Il faut juste le mettre dans le cerceau. Bon, là, on pue la merde, mais c'est parce qu'en même temps, on jette de trop loin. Ok, là, ça passe sûr. Pas du tout attention au crash. La compagnie aérienne Rayton & Co. se dédouane de tous les problèmes. Ok, là, on a réussi. Et voilà. Et là, vous avez compris le but du jeu, en fait. C'est juste ça. Là, vous allez dire, Rayton, t'es dans la vue. Mais non, parce qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. Parce que du coup, après, tu gagnes des cadeaux. Après, tu peux avoir des amis, ouais, qui sont un peu bizarres derrière moi, qui me suivent partout. Gassez-vous, purée! Donc, ça, c'est le premier avion en papier, 1996, hein, 47 chevaux sous le moteur. On a celui-ci, le Red Plane, qui a été utilisé dans plusieurs films avec George Clooney. On a aussi le Blue Plane qui a été. C'est un oiseau. Et on a littéralement le Thunderstrike qui lui vaut 200 euros. Donc en vrai, c'est un bon jeu. Mais là, j'ai la flemme de lancer des avions en papier. Là, les amis, on est sur un autre mode de jeu où en fait, on a des motos et tout. Et le but, c'est juste d'aller de plus en plus vite, de plus en plus loin. Et après, on gagne des points. Et plus on a de points, plus on peut améliorer notre moto. Ouais, bon, là, ça va un peu vite. Je vous mens pas. Je suis pas sûr qu'on respecte trop le code de la route. Je pense qu'on va me retirer mon permis. C'est vraiment très possible. Hein. Surtout que les gars, j'aimerais trop avoir un permis moto. Je préfère largement conduire une moto qu'une voiture personnellement. Là, je gagne des petits cadeaux. Ça fait plaisir. Au moins, ce qui est cool dans Roblox, c'est qu'à chaque fois que tu viens, t'as des cadeaux. J'aimerais trop que ce soit comme ça dans la vie. Tu sais, tu rentres dans une boutique, on t'offre un cadeau, on me dit bonjour, tu veux un cadeau et tu prends le cadeau et c'est un iPhone et tu fais merci beaucoup. Bon, après, là, si je vais très vite, c'est parce que pareil, hein, j'ai signé le jeu, les gars. Vous attendez pas à faire pareil quand vous commencez le jeu. Eh, les gars, regardez ma grosse bécane. Elle va super vite. Pet, y'a quoi dans Pet? Attends, venez, on ouvre des œufs. Oh, je peux ouvrir celui-là pour de vrai? Oh, j'ai eu ça, c'est rare. C'est quoi? Ah, il donne que 700. En vrai, c'est pas trop mal. Mais moi, j'ai des trucs à 6000, donc je m'en bats les couilles, zub. Je pense que là, il faudrait qu'on ouvre quelque chose. Faudrait qu'on ouvre celui à 2000. On peut? Mais en fait, je suis riche dans le jeu, j'ai combien de points? Basic. Comment ça, moi, je suis basic? Ah, voilà celui-là que j'avais ouvert. On peut ouvrir celui-là, hein. Oh là là, les gars, love volcanique, je sais pas ce que ça va donner. Ah, un chat basique. Mais le chat basique, il fait combien de points? 11 000 points! Mais attends, on va virer toi direct et virer. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est la loi du marché, mon pote, t'es bon qu'à te faire virer. Et maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur le terrain. Mais qu'on va aller super vite de fou, par contre. Wouhou! Ah ouais, carrément, ça lève en Y. Ah ouais, mais là, ça rigole vraiment zéro. Regardez comment ça va vite, mec. J'arrive même pas à voir ce qu'il y a sur l'écran tellement ça va vite. Bon, là, après, du coup, vous avez vu à peu près le but du jeu, mais vous pouvez aussi améliorer votre motorcycle. Genre là, si j'ai 100 000, qu'on va clairement faire, et bah, je peux avoir une moto
moto encore plus rapide. Là on est à 37 000, je pense qu'on va y arriver. Là tu vois c'est mettre plus en plus longtemps à gagner du score, mais par contre quand on en gagne c'est abusé, on gagne 1000... Quoi? On a que 77 000. Les gars il faut qu'on ait l'autre moto. Regardez lui là là, je suis jaloux. Elle est belle ta bécane. Mais si tu te défonces tu termineras avec des béquilles. Bon vous êtes prêts mon équipe? C'est un peu comme dans... Oh on peut avoir une vue première personne. C'est un peu comme dans Cars, eux c'est mes amis. Et moi je suis Flash McQueen. Ok là il faut cliquer comme des malades parce que ça nous permet d'avoir un meilleur start. Là j'imagine trop, il y a 20 personnes derrière leur écran en train de cliquer comme ça. Oh là, je vais y aller d'un coup, frère. Bonne chance pour me rattraper, les gars. Bonne chance. Ah, bah, il y en a deux qui m'ont rattrapé. Bon, bah, la chance, c'était de leur côté. Pas de la mienne. Wouhou! En vrai, on peut dézoomer et voir un peu plus loin. Bon, on va aller faire les 100 000 ou pas, là? 103 000, 105 000, du coup, on peut l'acheter. Let's go! It's me, Mario! Mec, c'est vraiment la moto de Waluigi, ça. Hein. Vraiment, c'est la même moto. Le mode est validé. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, vous savez très bien comment faire. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Je poste toutes les semaines. Et si vous voulez ma chaîne Roblox, elle est en description. C'était Rayton, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao!